Il retrouve la Réunion après avoir exercé une dizaine d'années dans la police en région parisienne. Marina et Florent viennent d'être mutés dans leur île natale. Comme on dit, il fallait sauter la mer pour travailler. Donc plusieurs années passées là-bas et là de retour sur mon île et vraiment très contente de retrouver la famille et franchement prête pour travailler et se mater au boulot. C'est un moment que j'attends avec j'ai attendu avec beaucoup d'impatience et il est enfin arrivé. C'était pas simple parce que ça prend quand même du temps, mais au final la récompense elle est là. 63 policiers viennent d'être mutés à La Réunion et comme Marina et Florent, la plupart sont originaires de l'île et reviennent après avoir exercé dans l'Hexagone. Depuis maintenant 5 ans, mais surtout depuis 2 ans, le ministère de l'Intérieur a fait des efforts considérables pour renforcer l'île de La Réunion en policiers. Cette année, nous avons entre les départs et les arrivées un delta positif de 52 policiers supplémentaires. Sur les 2 dernières années, c'est pratiquement 120 policiers supplémentaires qui ont été affectés à La Réunion. Et si je vais sur les 5 dernières années, c'est plus de 200 policiers qui sont venus renforcer l'île. Parmi les nouveaux arrivants, des policiers polyvalents et d'autres plus profilés, c'est-à-dire des postes ciblés sur le judiciaire ou encore le renseignement territorial. Ces mutations permettent de renforcer les équipes, ce qui satisfait le syndicat Unité SGP Police. On a des retours de collègues ultramarins réunionnais qui reviennent. On a aussi des personnes qu'on dit en séjour qui viennent apporter aussi à la continuité de notre profession ici. Donc avec énormément de satisfaction, bien entendu. Ces mutations ont permis de renforcer les effectifs de la police aux frontières et de la police judiciaire dans la lutte contre les stupéfiants et contre les violences intrafamiliales. Elles ont permis aussi la création d'unités supplémentaires comme la section d'intervention à Saint-Pierre.